Bonjour, bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire économique sur Génération FM, la 93.4. L'arrondissement de Kataba 1 qui regroupe les communes de Djouloulou, de Kafountine, de Dignaki et de Kataba 1 dans le département de Bindiona a organisé le week-end dernier la première édition de ses journées économiques. Ces journées sont non seulement un cadre de rencontres d'affaires entre promoteurs, opérateurs économiques et membres d'organisations professionnelles, mais également une plateforme d'échange entre l'offre et la demande de biens et de services pour les porteurs de projets, les partenaires au développement, les structures étatiques et les ONG de consultance et d'encadrement. Monsieur Talibouya Aïdara, fils de la localité, est l'initiateur de cette activité. Oui, l'initiative c'est pour le développement de notre commune, c'est pour montrer les potentialités que regorge l'arrondissement de Kataba, hein, qui regroupe les communes de Kafountine, Djouloulou, Kataba 1 et Dignaki. Donc avec l'accompagnement du ministre Moustapha Lodiata, nous avons reçu à faire venir les gens à porter et pousser la réflexion sur le développement de la zone. C'est l'objectif de ces journées. C'est une initiative qui a été très bien accueillie et appréciée par les populations. Et je crois que c'est des initiatives pareilles qu'on doit redoubler. C'est de très bonnes choses. Cet événement a constitué un temps fort de communication et d'échange dont le contenu s'articule autour d'un plateau d'exposition, d'un forum thématique et de visite de sites de production. Amadou Wagé est le sous-préfet de Kataba 1. Je voudrais d'abord féliciter les initiateurs de ces journées de réflexion, notamment M. Talibouya Aïdara, pour vraiment cette inspiration qui nous a valu aujourd'hui de nous retrouver ici pour échanger et discuter, mais également pour visiter les stands des exposants. Féliciter également la population de l'arrondissement pour la forte mobilisation notée lors de cette manifestation. En tout cas, nous, en tant qu'autorité administrative, vraiment nous saluons à sa juste valeur cette manifestation, vraiment qui participe vraiment à faire connaître les programmes et projets de l'État qui sont en cours d'exécution. Tout à l'heure, vous avez pu écouter le représentant du délégué général de la DER qui a fait un exposé vraiment sur les modalités de financement et autres. Donc je pense que ces genres de rencontres, ces genres de manifestations permettent aux populations de connaître les contours vraiment des politiques que l'État est en train de mener. Donc en tant que sous-préfet de l'arrondissement, nous sommes très heureux vraiment d'accueillir la manifestation ici. Vraiment, et invitons également les initiateurs vraiment à tout faire pour la pérenniser. Avec comme thème valorisation et commercialisation des produits et services, quelle stratégie pour les PME GIE de Kataba 1? Ces journées ont pour objectif, entre autres, de promouvoir l'avènement d'un environnement des affaires de classe nationale et internationale, favoriser le financement des programmes, projets et business plans auprès des partenaires au développement, promouvoir la modernisation et la compétitivité des PME-PMI existants, promouvoir la valorisation des productions locales et la diversification des marchés d'exportation. Entre autres, le ministre Moustapha Lodiata, par ailleurs maire de Dignaki, s'en félicite au micro de Insan Mandian. Je voudrais vraiment me réjouir de l'initiative qu'a prise mon jeune frère, Talibou Aïdara et le conseil technique du ministre de la Pêche et des Affaires Maritimes d'organiser des journées économiques pour tout l'arrondissement de Kataba, pour toutes les communes de l'arrondissement, donc la commune de Dignaki, la commune de Kataba, la commune de Djouloulou et de Kafountine. Réunir les acteurs économiques, notamment les jeunes et les femmes qui s'activent dans les activités génératrices de revenus, les mettre en relation avec les projets programmes, mais les surtout d'accompagnement de l'État. Et bien sûr, sous la bienveillance de monsieur le sous-préfet de Kataba. Et ça a été vraiment une occasion plus rêvée, vraiment pour justement prendre en charge les préoccupations des uns et des autres, mais surtout pour apporter des solutions concrètes donc à des problèmes de financement que connaissent, disons, les jeunes et les femmes dans l'arrondissement. Vous connaissez très bien la place que l'arrondissement de Kataba occupe dans l'économie nationale. Je ne dirais pas de l'économie régionale parce que c'est évident. Vous savez très bien que nous sommes une zone productrice de produits alimentaires, une zone qui est une zone de pêche et donc qui
alimente pratiquement tout le Sénégal. Les poissons de Kafoundine vont jusqu'à Dakar. Et vous comprendrez que, évidemment, que en tant que maire d'une commune de l'arrondissement, je suis très heureux. Je souhaite que de telles initiatives puissent donc se pérenniser. Et déjà, l'appel que nous avons lancé aux partenaires techniques et financiers au projet programme, je pense que cet appel a étendu parce que, on va dire, pratiquement toutes les structures à qui on a fait appel, disons, sont là. Ça n'est tout pour votre rubrique hebdomadaire économique sur Génération FM. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.